Prenez votre temps, prenez votre temps. Ça m'amuse terriblement. Voilà, je change de siège. Je trouve ça bon, alors, ça y est, vous êtes tous installés. Allez, voilà. C'est l'aventure hein, pour sauter là-dessus. Oh là là. Bon, tout le monde est prêt? Oui, non, parce qu'ils vous attendent, ils sont chez eux, ils vous regardent. Très bien, on va commencer par l'actualité du cinéma. Mademoiselle Bouteloup, qui a vu et aimé la nouvelle comédie de monsieur Éric Lavenne. Qui est Éric Lavenne? Il a fait quoi? Éric Lavenne a réalisé, entre autres, Barbecue. Vous étiez 1,5 million à aller voir Barbecue. Sûrement vous, et Horizon, je sais que vous adorez ce genre de film. Déjà avec le titre, ça lui plaît. Il y a du barbecue très chic. Ah bah oui. Retour chez ma mère l'année dernière avec Alexandra Lamy et Josiane Balasco, 2 millions d'entrées. Et puis, c'est un peu son ADN, la comédie à Éric Lavenne, un humour un petit peu décapant comme ça, puisqu'il a commencé comme scénariste au Guignol de l'Info. La série H, si vous vous souvenez, avec Jamel. C'est bien ça. Voilà. Cette fois-ci, il retrouve donc à peine un an après Alexandra Lamy, qui est rejoint ici par des gens qu'on aime bien. Lionel Astier, Arnaud Ducré, oui. On connaît bien sur la chaîne, Anne-Marie Vin, Jérôme Commandeur. Dans le film, Alexandra Lamy est une jeune femme qui souffre d'un handicap, d'une maladie que peut-être certains connaissent ici. Elle n'arrive pas à faire des choix. Alors parfois, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que je mets ce matin? Comment je m'habille? Frites ou salade? Bon, ça, c'est pas très grave. Sauf que parfois, ça peut être, elle va tomber amoureuse de deux garçons en même temps. Ouais. Normalement, quand on tombe amoureuse de deux garçons, eh ben, à un moment, on en préfère un plutôt qu'un autre. Ah bon? Elle n'arrive pas à se décider. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont la demander tous les deux en mariage. Elle va accepter. Et ça sera le même jour. C'est pas possible d'épouser deux garçons le même jour. Donc voilà, c'est le point de départ de cette comédie. Une idée de scénario assez rigolote. Ce qui est très bon dans ce film, ce sont les dialogues et ses interprètes. Alexandra Lamy qui confirme ici que c'est vraiment une actrice de comédie épanouie. Mais pas seulement. Pétillante, sympatoche. Elle est très brillante. Ouais. Exactement, nous l'avons rencontrée. Souriante, aimable. Bonjour Alexandra. Bonjour. Mais c'est une histoire d'amour avec Éric Lavenne ou quoi? Déjà l'année dernière, Retour chez ma mère, très joli succès. Là, j'ai fait Retour chez Éric Lavenne encore une fois. Retour chez Éric Lavenne. Eh, vache, t'allais mourir un steak. J'ai pas compris. Appelle les pompiers ou le SAMU. Le pompier ou le SAMU, c'est ça que t'as dit? J'appelle qui? J'appelle le SAMU ou les pompiers? Et voilà, c'est tout moi, ça. Je suis incapable de faire le moindre choix. T'as pas d'avis pour les sorties, t'as pas d'avis pour les repas, t'as jamais d'avis. Cédric l'a largué comme grosse merde et puis c'est tout. Quand on s'est vu après Retour chez ma mère avec Éric, il était venu me voir et il m'avait dit, écoute, voilà, je pense que le rôle de ce personnage-là est plus pour 25-30 ans. Mais comment ça, j'ai 25 ans? Parce que j'ai 32, bien sûr. Vieille. Exactement. On est d'accord. Et en le lisant, je me suis dit que je trouvais ça plus intéressant en fait qu'elle ait la quarantaine. Ouais. Parce qu'une femme qui hésite entre deux hommes à 25 ans, on hésite à entre de 10 hommes à 25 ans. 10 ans, voilà. C'est rien de... Vous savez, là, faut rallumer la chaudière, faut te remettre en selle. C'est quoi ton nom? Étienne. Paul McCallaghan. Célibataire. Eh ben ouais. Super, on a trop de points en commun. Vous avez aujourd'hui, Alexandra, on peut le dire, l'embarras du choix, parce que vous êtes une actrice convoitée, j'imagine que vous recevez beaucoup de scénarios. Est-ce que c'est facile de choisir? Il faut faire le bon choix. Parce que si vous vous trompez plusieurs fois sur un film et que vous ne faites plus d'entrée, au bout d'un moment, vous n'aurez plus le choix. Et on ne fera plus de proposition. Madame, vous avez fait votre choix? Oui. La trilogie Trippière. Ah ben voilà, pareil. Je peux être indécise sur des choses, j'allais dire, entre guillemets, plus anecdotiques, comme comment je vais m'habiller ce matin, est-ce que je mets une jupe, est-ce que je mets des talons. Oui, des trucs de filles, quoi. Des trucs de filles. J'ai jamais eu une seule demande en mariage de toute ma vie, et toi, t'en chopes deux en une seule journée. C'est que j'ai bien réfléchi, là, pour la date du mariage. Le 12 juillet. Le 12 juillet. Là, on peut plus reculer, hein. J'ai une très mauvaise idée, en général, c'est que quand je suis indécise, j'appelle ma sœur. Ah, et ça, c'est bien. Non, c'est une bêtise. Ah, parce qu'elle est comme vous? Parce que ma sœur est pire que moi. Ah, c'est pas mal. Elle est extrêmement indécise. Donc quand je lui dis j'hésite entre le rouge et le bleu, elle me dit, il n'y avait pas un vert? Regarde quand même vert si c'est pas mieux. Des plombes. Ouais. Non, mais des plombes, ça dure. On parle de deux mecs super à qui tu vas faire du mal. Choisis. Vous êtes gâtée, Alexandra, côté partenaire masculin. Jamie Bamber, nous, on ne connaît pas. C'est un acteur de série américaine. Voilà, exactement. Il est américain, moitié américain, moitié anglais. Bon, il est beau gosse, ça c'est... Il est beau gosse, c'est un amour. Voilà. C'est... Il est célibataire ou pas? Non, je suis désolée. Ah, non, mais je l'ai dit aux téléspectateurs. Il serait là, il dirait, oui, mais en France, c'est pas très grave quand... Ah oui, d'accord. Tu vas pas attendre d'être devant le maire pour prendre ta décision. Il est comment sur un plateau, Arnaud Ducré? C'est un bonheur de tourner avec Arnaud. Il arrive toujours avec des idées. On peut s'amuser à improviser avec lui. C'est quelqu'un qui est adorable sur le plateau. Et puis, d'habitude, c'est souvent les femmes qui acceptent des rôles secondaires, un peu à servir la soupe. Et c'est plus rare chez les hommes. Et que Arnaud ait accepté de faire un rôle secondaire, j'ai trouvé ça
ça très élégant de sa part. Si tu aimes les abats, on va très très bien s'entendre, moi. J'aime aussi les fraises quand même. Merci beaucoup, Alexandra. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. On ne peut pas vous dire, évidemment, qui est choisi à la fin. Mais c'est à la fin de la fin de la fin. Hein. Le plus beau gosse des deux. Ah non, non, faut pas le dire. Ça. Non, mais attendez. Faut pas le dire. Vous pouvez pas répondre, ils sont très beaux tous les deux. Vous voyez, ouais, je m'amuse un petit peu. Arnaud Ducret et cet acteur américain, Jamie Bumber. D'accord. Très mignon, Jamie Bumber. Voilà. Celui-là, ça sent mercredi. Non, mais non, celui-là, ça sent mercredi. J'aurais préféré l'interviewer, lui. Merci beaucoup. Au revoir, Charlotte.